Versteeg avec une longue passe bien saisie au centre. Oh! Toute une mise en échec. Mais intercepté par Versteeg. Versteeg part de contourner Yannery. Une autre mise en échec. That gun knocked loose and Krejci will pick it up for the Bruins. Back for Lucci. Can he's leveled by Yannery. And St. Louis gets it out to center. Here's Stastny. Hit! To Greiva. Ottawa changing as Greiva drops it back to Lafondrelle. And Greiva. This is Coburn. Steps in over the blue line. Coburn taken down by Yamal. And then Yamal. Long pass, oh, bien anticipé. D'abord par Pavelski. Oh, quelle mise en échec. Just a big hit by Yamalin as he yandles Palmetville. Lucic is over here on the Bruins bench right now, telling the Canadiens bench, you just woke up the beast. You look out. And you know what? There's one beast. Lucic is another beast. All around the puck, and this is one you're kicking offense, and you didn't see the train coming. Oh, actually, Yamalin has done that numerous times, hasn't he? Just popped right into that. Saisi passe en plein centre pour Vatrano. Fine. Vatrano s'amène. Frappé solidement par Yamalin. Maybe he thinks it should be a little bit more. Well, and he's got an argument. Right there, Calvert. The puck is nowhere near the area, and that's a good one. Get loose. And on the way back, Carlson. He was not the best night. Not enjoying it at all. Yamalin caught him there, and you don't see that very often, do you? Favoring the Canadians so far here in the second period. Larkin walked to the boards by Yamalin, and a drum to separate the two. You can tell Larkin is not right. Good. Puck chipped in. Alexei Yamalin going after it. Runs over Gomez, and Gomez. Sorti des Hawks, Desjardins. Qui s'énerve. Oh, Desjardins plaqué durement par Yamalin. Sorti des Hawks, Desjardins. Qui s'énerve. Oh, Desjardins plaqué durement par Yamalin. Backed him. Oduya helped out. And a big check by Yamalin. Ouais, deux bonnes mises en échec en deuxième période cette fois-ci. Les temples, là, dans le coin de la patinoire, Salomaki. Depuis l'arrière du filet par Brandon Prost. On n'a pas réussi à compléter. Là, il y a eu un contact assez sévère entre Yamalin et Andrew Shaw. Là. Pour Dale Weiss, Yamalin s'impose de plus en plus. Boone Jenner et Atkinson. Atkinson est frappé solidement par Yamalin derrière le filet du Canadien après la mise en Boone jeu. Boone Jenner et Atkinson. Atkinson est derrière Keith Yandle, l'envoie Stéphane frappé solidement par Yamalin au centre. Derrière Keith Yandle, l'envoie Stéphane frappé solidement par Streit remet au centre et toute une mise en échec de Yamalin à l'endroit de Van de Velde. Streit remet au centre et toute une mise en échec de Yamalin à l'endroit de Van de Velde. Raison, son gardien. Oui, mais ce que j'aime de ce côté, ouais, toute une mise en échec, c'est Yamalin. Mise en échec qui laisse des traces. Sonny Hartnell à regarder. Get into center. Here comes Corbo. He is dropped by Yamalin. Here. Le disque libre revient à Dorsett. Dorsett. Plaqué durement par Yamalin. Bonne mise en échec de Yamalin. Comme on en voit de plus en plus de la part du défenseur. Price pulls onto the penalty box. The brief power play. Alors jeune, ça demeure quand même une période importante hein, pour sa carrière. Oh. Là, c'est Yamalin, temple de Yamalin. Comme tu mentionnais, Pierre, il a attiré l'attention des gens en étant physique de cette façon en brasseur. Il joue le même tour. We're going to see some of this physical play again. Kubowski's going to get hit by who else but Yamalin. Maybe. Et au centre, Yevgeny Malkin, Veron Vist, cage avec la hanche d'Alexis Yamalin.